Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de la série Dex High. Toujours en Normandie, toujours avec le roi Roland II. Alors, vous allez voir que j'ai 14 500 troupes qui sont là. C'est bizarre hein, parce qu'à la partie d'avant, quand on s'est quitté, on en était un peu plus loin que ça. Et d'ailleurs, mon commandant italien n'est toujours pas marié, etc., etc., vous voyez. En fait, j'ai voulu faire le montage de mon épisode dans la foulée de ça. Et j'avais oublié de faire ma petite sauvegarde qui va bien entre tous les épisodes. Et voilà donc que le jeu a décidé de me planter à la gueule. Ça m'arrange un peu, enfin, ça m'arrange pas, j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais finalement, ça va me permettre de ranger mes troupes, déclarer ma guerre et faire ce que je voulais faire. Donc on va refaire ça vite fait, on refuse ça, on ramène les troupes. Bon, on a perdu 6 mois hein, peut-être, hein. J'ai des sauvegardes automatiques, donc pas de soucis. On range ça. Alors, est-ce que du coup, on peut bien lui déclarer la guerre? Pour en... Alors, c'était quoi hein? C'était état tributaire. Hein. On va faire ça. Le prestige supérieur. On peut pas contacter un croisé ni le pape. Roi Roland, le taille du pays supérieur à 100% comparativement à celle... Le niveau technologique majesté doit être égal à 4. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça. Donc on peut pas. Bon bah ça finit de régler le problème. Hein. Donc on va faire comme on avait fait, on relève nos troupes à nous. On va tous là. Hop, hop, hop. Et voilà. Du coup, on avait un deuxième enfant d'elle ou pas? Bah, du coup, on va pas recommencer. Hein. On a eu un deuxième enfant d'elle qui ne s'est pas su, mais on va pas reprendre le risque. Hein. Ça se trouve, l'enfant est en cours d'ailleurs. Je sais même pas regarder si. Pourquoi lui est en favori? Ça doit être une erreur. Voilà. Donc on a on reprend les choses. Donc on va refaire un mariage entre lui et notre jumelle. Voilà qui est fait. On prend les escortes, on les met à gauche avec Orderic. Voilà, lui on lui donne ça et à droite on prend lui. On prend les bateaux qui sont là. Paf, on fait ça, et donc cette fois-ci on est parti. Et je me souviendrai qu'il faut Majesté 4 pour faire ça. On verra si on a le temps de le faire ou pas. Allez, on va là. Là même. Ah oui, par contre notre femme était enceinte, elle l'est plus. Ah punaise. Ah, ça a pas que du bon en fait, hein, la sauvegarde qui plante finalement. Je dis que ça m'arrange, non, c'est pas terrible en fait. Cela dit, ça va peut-être revenir dans le même ordre que c'était. Parce que ça, on a eu l'événement aussi. Maintenant, avec un peu de chance, ça va peut-être nous dire que notre femme est enceinte. Mais c'est pas sûr, hein, vu que c'est des probabilités. C'est pas sûr du tout. Avec mon ulti instruction sur tous les quotidiens, je devrais pas avoir du mal à faire. Ouais, la duchesse, elle... On va tenter de le faire quand même, mais bon... Derrière, on va refuser, on a plus de chaplain, on va prendre lui. Oui, bah ça fait comme tout à l'heure hein, pour le moment. Elle, on arrête de l'influencer. Recherche économique. Grande caravane venue de loin se présente aux portes, on les laisse entrer. Ça, on l'avait pas eu. Il va me laisser un de ses. L'aube se lève. Téfer, un éthiopien. Kyotolu, il est pas terrible. Bon, on décline l'offre. Bon bah finalement l'enfant est né, cette fois-ci c'est un garçon, mais une fois de plus ça ne s'est pas su. Bon. Tant mieux. Par contre il me manque un seul événement qui devrait arriver... Ouais. À partir du 1er janvier il y a une nouvelle sauvegarde, donc bon, bah, ça va pas recommencer du coup. C'est la naissance de... Enfin c'est la fin que notre femme est enceinte. Ça c'est dommage. Ça c'est bien dommage. Croisade balte, non. La croisade teutonne, je ne m'en occupe pas. Le régent, je ne m'en occupe pas. Par contre, le physicien, bah, du coup, on va prendre.
Gérard, qu'on aime bien, et qui nous aime bien surtout. Est-ce qu'il y a un territoire qui est à nous sur lequel on peut débarquer ? On va aller se rattacher aux troupes qui sont par là. Paf, voilà. Et on va les laisser faire. La flotte, si je fais ça, je la perds, donc elle va rester dans le coin. On va aller donner un coup de main. Ouais, 4980 troupes. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Ah oui, on va poursuivre apparemment eux là-bas. Ouais, pour le moment, à mon avis, notre effort de guerre est pas... Doit pas être énorme, hein. On vient à peine d'arriver, de toute façon. Ma femme s'est tenue le ventre et s'est rendue fréquemment au cabinet. Elle souffre de dysenterie. Merde. Pff. Non seulement elle me fait pas d'enfant, et en plus de ça, elle souffre. Bon. Bon. Les bandits armés s'en sont pris à moi alors que j'enquêtais sur un possible compo à Sancerre. Ah oui, non mais toi en plus c'est... Ouais, on perd en prestige, mais surtout je vais arrêter de te demander ça. On va plutôt te demander Tiens, bah viens à Rome là, allez hop. On va étudier les technologies, on sait jamais que tu me fais gagner des points pour gagner en culture. Notre nouveau personnage c'est Anselme. Ah bah d'accord, ils ont déjà fait un enfant maladif. D'accord. Oui, parce que du coup c'est elle, c'est ma jumelle qui est mon héritière en temps normal. Mais comme c'est quand même les hommes qui priment, à partir du moment où elle fait un enfant, bah du coup elle est plus héritière. Donc c'est son enfant qui le deviendra. Anselme j'aime pas, Roger non plus, Adelard, Thurston, Fulk, Tybalt, tiens, allez Tybalt. Ça veut pas dire qu'on va le jouer hein, mais au moins. Est-ce qu'en région on peut pas mettre notre sœur justement? Notre jumelle, tiens, on va prendre notre jumelle, tiens. On continue de gagner par ici. On a 4904. On perd pas beaucoup de troupes en plus. Hein. Je me suis mis dans la plus grosse armée, vous me direz. Ça aide. Ouais, non, lui il est pas assez bon pour rejoindre. Rennes Lertan cherche à tuer, ouais bah voilà. Ils se font la guerre. Vexin, tiens, pourtant le Vexin c'était pas la femme. Où est le Vexin? Je suis perdu. Si, quelqu'un qui cherche à tuer. Comtesse, ah oui, bah elle justement. On peut rien faire hein, sur ces enfants, on peut pas les légitimer. Les. Non. 85%, je pense que la victoire sera facile. Hein. Ben voilà. La deuxième croisade a pris fin, le pape a gagné. La victoire a été accordée par Dieu au Kaiser Eustache II du Saint-Anne dans la croisade pour Thrace. Le sultan a été battu à quelques occasions, il a finalement dû renoncer. Oui, c'est vrai qu'il a été éclaté. Hein. Le Kaiser a accordé les nouvelles terres à Leopold de Boulogne. Le pape a déclaré que les croisés, par leur victoire et leur vertu, sont les protecteurs légitimes. J'aurais dû mettre ma sœur en bénéficiaire du coup. Alors comme j'en ai pas, je sais pas si j'ai gagné quand même des choses, si j'ai quand même gagné de l'or, hein, parce que je suis assez riche, j'ai gagné du prestige. Je crois pas avoir gagné d'autres choses. Hein. On va repartir, bon on a pas beaucoup, honnêtement on n'a pas fait grand chose. Hein, mais... C'est pas grave, ah on peut investir en matériel de siège, bon, on va le faire ça, c'est bien. Allez, on rentre à la maison. Elle va très très vite en même temps, cette... Ah, ils ont eu une autre... C'est elle, hein, toujours, je pense. Et le duc... Ah non, c'est pas elle du tout. Elle est une capuche, mais c'est pas elle. D'accord, donc en fait, les troupes des vassaux ne sont pas considérées comme... Ah bah ça, je le savais pas, parce que j'ai eu le message, là, vous voyez.
mobilisé depuis trop longtemps. Je pense que c'est depuis que la croisade est arrêtée, mais avant ça, visiblement, ça n'avait pas l'air de leur poser de problème. Je le saurai pour la prochaine fois, que je peux amener beaucoup plus de troupes. Ouais, bon, lui, je pense que ça va se régler. Au niveau des factions, bah ouais, de toute façon, on a lui, hein, toujours pareil. On va essayer de l'influencer. Il veut davantage de troupes, on va le faire. Bon, il a un cancer, cela dit. Je pense que... Le comté a forgé une alliance, ouais, le comte, pardon. Ouais, donc ça m'embête de pas pouvoir m'occuper d'elle, là. Majesté 4, on n'est pas très loin de pouvoir le faire, hein. Mais... Ça avance, mais... La mission est un succès. Ah oui, elle, je lui avais envoyé d'argent, du coup je l'ai pas refait. Et lui, on va aller le faire chez lui. Cuisinière préparatoire fabuleux, pardon. On peut avoir bonne santé, mais on peut devenir gourmand. 45% de chance, on devient tempéré. On va devenir tempéré. Tu vas pas génial. La duchesse, elle est duchesse de Cornouailles et duchesse de Connacht. Intéressant. Faudrait essayer un petit peu de récupérer des choses qu'elle n'a pas, mais... Ah, la reine de Géorgie qui nous invite. On va y aller. Son couronnement. Avant notre sœur et notre régente. Et en attendant, hop là! On rentre tout ça, on range tout ça, on ramène l'escorte ici. Le pape est venu en personne. Venir en personne qui était satisfait des mois pour ce couronnement. Voilà, c'était une belle cérémonie. Eux aussi, ils ont mis le budget, visiblement. Sur pèlerinage. Ouais. Elle s'agenouille, longue vie à elle. On gagne du prestige pour y avoir été. Elle me dit au revoir. Je perds le train en voyage. Je suis de retour. La régence a pris fin. Parfait. On a des sous. On va essayer de faire un petit forgeron. Ah, on peut pas se faire un bouclier, hein. J'aurais aimé avoir un bouclier, mais visiblement on peut pas. Hein. On va se faire des bijoux. Ah, il y a un pacte défensif contre le roi de France, c'est ça? Rejoindre un pacte défensif. Le roi Roland peut atteindre au plus 45% de la taille du roi Jean. Ah, si on est... Bah, je comprends pas. Du groupe chrétien. Comment je rejoins le pacte défensif? Comment on fait? On peut atteindre au plus 45% de la taille du roi Jean. C'est-à-dire quoi? Je suis trop grand, j'ai trop de troupes. Ça veut dire quoi? Ça peut atteindre au plus 45%. Bon. Il y a un orfèvre réputé, on va l'inviter. Ouais, 500, on a commandé une parure impressionnante. J'espère qu'il va pas nous la faire à l'envers. Ça m'est arrivé une fois, hein, depuis je me méfie. Hein. Alors je me dirige vers la forge, je n'entends pas le bruit du forgeron en love, mais des personnes parlaient. Je trouve Lambert et mon vassal en train de discuter de différents matériaux de leur composition. Ce discours me donne le tournis et a clairement stoppé la progression. Lambert peut prendre du temps pour aider Murchu. Que pense-t-il faire?
Ouais, 5% de chance qu'ils se concentrent sur ta tâche et produisent un objet meilleur. On va le faire. 5% de chance, c'est quand même assez faible. La France est en guerre contre l'Aragon. Ouais, bah il va se faire éclater l'Aragonais. Hein. Va se faire éclater, bah voilà. L'Aragon s'est fait bien manger par la France. Alors, il y a une forte augmentation du nombre de pèlerins voyageant pour voir le lieu de sépulture du saint local Roland l'apôtre en Caen. À côté de personnes, c'est une occasion unique pour faire un don conséquent à l'église. On gagne de la piété, non. Se faire de l'argent, ou je vais converser avec les pèlerins et on peut devenir sociable. Et ben on va faire ça, on va tenter et on l'est devenu. Ouais, il faut essayer d'améliorer un peu le personnage hein, parce qu'on part quand même. Voilà, au moins qu'il soit très bon en diplomatie, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Voilà, améliorer les relations avec lui. Peut-être il tente de demander au duc de passer plus de temps avec lui. On va lui demander. On a des trêves qui expirent. On va essayer de passer du bon temps avec lui donc. Alors j'ai fait de mon mieux pour être conciliant, mais nous n'avons tout simplement pas pu nous entendre. Nous pouvons trouver. Bon, ça va, j'ai une diplomatie assez élevée donc j'arrive quand même à négocier le truc. Ouais, donc la France continue d'être puissante de plus en plus. Il y a un pacte défensif païen contre elle, chrétien et musulman. Bah, putain, quand même, hein. Ah, rejoindre un pacte défensif. Alors je l'ai fait. Ouais, c'est bon, j'ai rejoint le pacte défensif chrétien. Ça serait bien que ça se déclenche. Le duc Sayer m'apprécie. Déjà, peut-être devrais-je concentrer mon temps et mes ressources à influencer quelqu'un d'autre. On va essayer de continuer. Bon, j'imagine que c'est pas moi qui peux décider. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Hein. Accorder un titre foncier au pape. Oui, non, faut pas rêver. Nommer un évêque, demander de l'argent, former un pacte. Une revendication, demander de l'argent. Ouais, je m'en fous. Bon bah là, il suffirait que le truc se déclenche et je pense que la France prendrait très 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 cher. Elle serait très affaiblie. Moi j'ai, je me suis clairement positionné hein, maintenant. Il y a du monde hein, pourtant. Hein. Sauf eux non. Je savais qu'ils étaient presque terminés, mais ce qu'on m'a apporté de la lourde boîte, j'étais encore à bout de souffle. On a des couronnes de perles, sceptre de rubis et une épée en or. Alors voyons voir, parce que pff, moi, je suis un peu perdu dans mon trésor. Ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que je peux mettre, ce que je ne peux pas mettre. Alors la couronne de perles. Est-ce qu'on avait déjà une couronne? On avait une couronne de majesté. Ouais, qui est mieux, hein. Ouais, celle-là est moins bien. L'épée des cieux... Ou le sceptre de rubis. Le sceptre de rubis l'améliore. L'épée en or aussi. Le sceptre d'émeraude est mieux. Bah, c'est ce qu'on a de toute façon. On a une brigandine. L'épée des héros. On peut avoir les deux. On peut avoir le sceptre et l'épée. Bon, c'est ce qu'on a. Ouais, après le sceptre de rubis. Ouais, c'est quand même moins bien que ce qu'on avait déjà. Ouais, bon, j'espérais peut-être d'autres choses, mais... Non, bon, on a déjà ce qu'il faut, hein. Par contre, on a toujours pas d'héritier direct, hein. J'avais bien fait une... Oui, c'est bon, on a une alliance, ouais. Elle nous aime beaucoup, pourtant. Mais... Pourtant, elle a un intérêt de famille aussi, hein. Donc, pour le coup... tous les deux sur la même longueur d'onde. On a un nouveau commandant. On va prendre le lui. Allez. Pas énorme, mais c'est pas grave. Ça y est, notre femme est enceinte. Ouais, je sais pas qui peut déclencher ce pacte. Comment. Franchement, j'en ai aucune idée. Il serait pas si loin que ça d'accepter qu'on l'excommunie. Hein. Ok.
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que si on améliorait nos relations avec lui, le pape? Ouais, il est là plutôt. Il nous aime plutôt bien, mais on peut faire encore mieux. On peut pas l'influencer forcément, mais par contre... Hein, il est où le pape? Il se trouve à la... C'est l'intendant du Saint-Empire, le pape? Oh la vache! Ouais, c'est un concept, hein. Ouais, alors, ta papauté, elle est où quand même? Elle est là, hein. Ouais. On va tenter d'influencer le pape. Qui sait, peut-être qu'avec un peu plus de... Franchement, on serait pas loin si on pouvait le faire excommunier. Il est homosexuel. C'est marrant que le trait homosexuel ne fasse pas quelque chose. En plus, on a des bons traits, nous. Au début, les signes étaient petits, finalement pris pour des coïncidences, mais maintenant ils deviennent trop fréquents pour ignorer. Les présents tout là-bas sont terribles. 30% de chance qu'elle devienne anxieuse. Bah, elle l'est déjà. Bon, bah, en tout cas, c'était déjà le cas. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Ah, bah, ça y est, il a réussi direct. Alors, est-ce qu'on a un meilleur score? Moins 6! Oh là 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 là. On peut peut-être faire encore mieux, hein. Ah, on est vraiment vraiment pas loin. On va faire un don. Est-ce qu'il y a un... Si on faisait un don à l'église. Vous voyez, un petit truc qui ferait que. Et paf, on excommunie et non, paf, demander une excommunication. Il n'y a pas des actions particulières qui pourraient être faites Ah, c'est un problème de pas trop connaître, hein. On peut lui envoyer un cadeau, oui. Il m'aimera encore mieux, mais on va faire confiance à notre... Est-ce que si je fais un petit don, donner 300 aux Templiers, on gagnera de la piété, l'opinion des vassaux religieux plus 10, on peut tenter. On va donner aux Templiers, allez, on va faire un don. Donc lui, est-ce qu'il nous aime plus 10 Pas forcément. On a sale rumeur aussi. Hein. En 1240. Putain, on est vraiment pas loin de pouvoir lui demander d'excommunier le roi. Hein, en France. Ça y est, on peut. Yes. On peut. L'opinion envers le roi est meilleure. Hop, on va lui demander. Il veut épouser ma parente. On va refuser. Oh, ça appartient à l'Irlande, ça, maintenant, ouais. Très bien. Si vous en avez les accès, infâme du roi ne peut plus être toléré. Nous avons décidé de lui conférer la communion et l'excommunication. Ça y est, il a été excommunié. Ah, ça devrait être intéressant tout ça. Ah, on va lui acheter quelque chose à notre femme pour l'aider à avoir. Putain, on est devenu gentil, putain, mais 5% de chance et ça marche quoi. Bon, au moins on est bon en diplomatie, hein, défaut du reste, hein. Du coup, on pouvait former un nouvel empire. Non, on peut pas. Hein. Presque, hein, mais pas encore. Ils ont manqué. Oui, non, c'est bon. Allez, ça continue à rejoindre le pacte. En tout cas, le pape nous aime beaucoup. Ça, c'est bien. Faut pas nous donner de l'argent, par contre. Faut pas déconner. Bon, de toute façon, je m'en fous. Mais après, je sais pas trop, vous voyez, je sais pas comment en profiter derrière. Ah, par contre, ouais, alors on va fermer les portes, clairement. Parce que c'est la merde, et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas amélioré mes trucs, hein. Vous allez me le dire, hein, vous allez me dire, bah oui, t'es nul, hein. Oui. Je suis nul. Même mon hôpital, je dois pouvoir faire des choses, une chapelle. Prestige pour le centre de traduction, des points économiques, c'est pas mal, ça. On va faire la chapelle déjà, ça coûte très cher. Voilà, vous voyez, on a fait deux bâtiments, on a plus de sous. Et ben, on a eu une fille, Yolanda. Bon bah, ben, bienvenue Yolanda dans la famille. On va garder Yolanda, je suis pas fan, mais bon. Elle doit être baptisée dès que possible afin que ça passe. Ah bah ben voilà, sa place au paradis soit assurée. Puisqu'elle est l'héritière, je devrais m'assurer que le rite célébrant soit grandiose.
Non, alors on va pas faire un truc grandiose parce que ça reste que notre. Sera. Ouais, voilà. Non, on va faire un baptême ordinaire. Je préfère attendre d'avoir un fils pour ça. En espérant qu'on en aura un. Mais bon, ils sont tout jeunes encore. Hein. Ma femme a reçu ses relevailles après s'être rétablie, purifiée de la récente grossesse. Elle se sentait beaucoup mieux à son retour, clairement soulagée d'avoir pleinement rejoint l'église après son abstinence forcée. Soyez de retour, mamie. Bon retour plutôt. Est-ce qu'on peut. Majesté 4, ça y est, on peut le faire. J'étais plus dans tout ça, moi. Hop, on va le faire. Ouais, bon, bah, de toute façon, ça me va très bien. J'avais oublié que je voulais l'annuler, ce truc-là. On a toujours des factions. On n'a plus de factions contre nous. Améliorer les infrastructures religieuses, on va le faire. Comme ça, les religieux vont pouvoir investir et améliorer leur terrain. Territoire, plutôt. Seigneur excommunié, oui, donc là on peut le faire, mais bon. Moi j'aimerais vraiment que ça se déclenche, on est nombreux quoi, le pacte défensif. Et je sais pas comment ça se déclenche, et je veux pas aller faire une recherche parce que bah, on va perdre du temps avec ça. Alors, une courtisane qui a montré des signes de maladie, elle pourrait avoir contracté la peste. Ah, mais oui, ce serait peut-être bien ça. Est-ce que la peste est arrivée? Je vais la serrer dans mes bras et la réconforter. Non. Bon, on va la chasser, hein, clairement. Sans pitié. Alors, une fois de plus, hein, je peux prendre mon dirigeant, le mettre là-dessus et m'enfuir. Hein. On va pas le faire tout de suite, mais. Bah, c'est une solution avant, en tout cas, qui a été faite. Ouais, bah là, de toute façon, c'est la merde. Clairement. Je vois vraiment pas qui peut déclencher ça. Ça me stresse. Hein. Ouais, voilà. En plus, ça quitte le pacte. Des points, on va voir où ça. Culturel, très bien. Voilà, bon, y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, donc c'est très très bien. Le roi du pays de Galles. Ah bah oui, c'est eux que je voulais attaquer en plus. Ah, ils ont formé le pays de Galles. J'ai hérité de la baronnie de Tottenham. Bah c'est génial. J'en suis ravi. Bon, elle est pas terrible elle non plus, tiens, fais ça. Roi du Pays de Galles, donc ils ont créé le Pays de Galles, ça y est. Royaume du Pays de Galles. Ouais, donc là, effectivement, je peux toujours en faire un état tributaire, maintenant je peux le faire. Ouais, puis j'ai largement assez de troupes, 15 000, presque 16 000. Il n'a pas d'alliance, puisqu'il est. Non, il fait pas de pacte défensif contre le roi, comme moi. Ouais, alors ça, la baronnie de Tottenham, hop. Excusez, je ne connais pas trop ma géographie anglaise. Je devrais, hein. Ok. Ma mission Rome est un succès. Ouais, non, mais c'est bon, tu peux revenir, Jude. Hein. Y a pas de souci, c'est bon, c'est acté. C'est largement acté. Ouais, bon, ici, un jour, il faudra essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, voilà, c'est compliqué. Ça, on devrait le récupérer. La duchesse Catherine. Tiens, tu te retrouves bien toute seule, toi. Il y a plus de d'alliance avec. Tiens, j'ai pas une revendication de jure sur Norfolk. Si. On save votre oui. On va le reprendre tout de suite, ça. Tant que c'est possible, par contre, on va pas attendre. Hein. Ouais. On va lever les troupes, on va y aller. Ça, faut se dépêcher de le faire, faut en profiter avant que ce soit pris par quelqu'un d'autre. Hein. Bah, là, il y avait un mariage là, il y a dû avoir des décès que j'ai pas trop suivi. Ce qui fait que du coup, il n'y a plus d'alliance avec les Norvégiens, donc hop là. Alors. Tac, 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 hop.
Ouais, c'est vrai que là, on a plus grand monde de dispo, hein, par contre. Hein. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. On va rééquilibrer, on va le mettre au centre. On va pas trop s'occuper des têtes stratégie, là. On va rajouter quelques troupes. Bien écrasé. J'étais pas parti pour... Si, j'étais parti pour... Où est-ce qu'elle est la baronnie de Tottenham? Elle est là. Voilà, créer un nouveau vassal. Parfait. Non, pas besoin d'appeler... Je pourrais l'appeler, mais non. Plus en plus de monde qui rejoint les trucs en France, surtout qu'ils ont plusieurs pactes contre eux, hein. Ils ont un pacte musulman, je crois. Voilà, le pacte défensif chrétien, le pacte païen. Ouais, après il a la consomption, donc ça se trouve il va crever, il y aura un héritier, ça va peut-être tout annuler. C'est un sympathisant de l'islam, lui? Ah ouais? D'accord. Pour un roi chrétien, enfin pour un futur roi de France, c'est un peu moche quand même. Membre du conseil inoccupé, oui, à toi là. Bah tiens, lui là, qui m'aime pas trop. Tiens. Et il veut faire quoi? Il veut pousser le roi de France? Il est marrant lui. Un peu de la merde toi. Hein. Au pire, à la fin de cet épisode, hein, je regarderai ce que je peux faire. Il se défend contre... Ouais, il y a une guerre, ça y est, contre lui, qui lui tombe dessus. Alors, ça pourrait en déclencher d'autres après. Hein. Mais je sais pas. Là, je sais pas du tout comment on peut faire ça. Hein. Donc, il y en a un qui voudrait être à mon conseil. Alors, toi, déjà, t'as toujours ton cancer, 25 ans, tu me gonfles, puis je t'aime pas trop. Donc, ça pourrait être drôle de la prendre, elle, tiens, comme conseillère. Puisqu'on a quand même été un peu proche. Ranger les bateaux. Ouvrir les portes, non. C'est encore bien la merde, hein. Oh la vache. Ouais, c'est bien bien la merde, ouais. Il a raté son coup. Bon, on danse avec le baron, hein. Donc le baron, on s'en fout un peu. Ok, ils ont débarqué ici, mais ils ont pas assez de troupes. Faire le siège. Voilà, on va faire le siège de Suffolk. On a perdu notre chancelier. On va prendre lui, il va faire chier parce qu'avant on avait beaucoup de gens qui nous aimaient bien. On aurait pu faire des votes, j'ai pas pensé à le faire. Et du coup, bah c'est la merde. Ziga Zigzid. Oh, ce nom. Ouais, bon, il n'y a plus. Ouais, et puis là, c'est en train de se réduire comme peau de chagrin. Ouais. Pas fun, hein. Je trouve ça dommage. Il y avait moyen de leur tomber dessus, là. Ouais, il y en a toujours qui arrivent après, hein, qui viennent rejoindre. Ça s'en va, ça revient. Mais je sais toujours pas comment. Enfin, qui peut déclencher ça? Je sais, je me répète, je suis désolé, mais ça me frustre un peu. Mais vous voyez, hein, même moi, je continue d'apprendre à jouer. Je suis loin de tout connaître à Crusader Kings 2, très 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 loin. Ce jeu est très riche, donc. Donc voilà. Et ben, notre femme est à nouveau enceinte, c'est parfait. De Léon. Siège de Ipswich est fini. On va maintenant aller retourner les chasser en France. Ouais, prendre ce bateau là, c'était suffisant.
Et on va débarquer en Évreux, par exemple. Ouais, grosse erreur par contre. Mais bon, ça va le faire. Ça va largement le faire. Le dirigeant mène les troupes en personne. Dans bien les faces. On va les poursuivre. Ouais, c'est bien la merde là, la maladie. Hein. Oh, ils sont partis. On va remonter chez nous. Ah, ils sont là. Père, père, dit Yolanda en tirant mon bras, suppliant de jouer avec elle. Ils sont allés jouer complètement inconscients de tout le travail que je suis en train d'accomplir. Mais bon, on va accepter. Qu'est-ce qu'il y a? On va négliger nos responsabilités pour elle. Elle va beaucoup nous aimer, amour paternel. Et elle a 20% de chance de gagner un point. Elle a gagné un point en intrigue. Ils essaient de remonter à leur bateau, hein. De toute façon c'est clair, net et précis. Allez, on va aller leur tomber dessus, puis je pense que ça va terminer la guerre. Bon, on les a tous anéantis, et on a capturé la duchesse, donc là il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est terminé. Est-ce que je peux retirer son titre? Ça m'étonnerait quand même, hein, que je puisse aller jusqu'à retirer son titre. Bah de toute façon c'est si je le récupère automatiquement son titre, non? Non, je l'ai incorporé au royaume. Voilà, elle est pas contente, mais elle a pas eu le choix. Voilà, bon, ça c'est pas mal déjà. Voilà, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Catherine de Villeneuve a quitté le pacte, oui bah en même temps, c'est normal. Avelino a formé un pacte défensif contre moi. Ah oui, bon, faut que je fasse gaffe, il y a aussi des pactes contre moi. Alors tiens, on va regarder comment ça fonctionne. Donc avec une menace de plus de 5%, les autres pays peuvent former un pacte défensif pour se protéger de vous. Chaque groupe religieux possède son propre pacte défensif et il défendra uniquement les membres appartenant au même pacte. Avec une menace de plus de 50%, tous les pactes des autres groupes s'unissent si vous attaquez l'un d'eux, d'accord. 75%, tous les pactes défensifs dans une province s'unissent pour... À mesure que votre menace augmente, les pays les plus vastes sont autorisés à rallier le pacte. À mesure que votre menace diminue, les pays... D'accord, mais ça dit pas comment ça se déclenche. Mais vous pouvez accélérer le processus en accordant l'indépendance aux terres ne faisant pas partie de votre royaume de jure. Ok, très bien. Bah, j'ai un pacte contre moi jusqu'ici. Bon, je peux le comprendre, il est pas très haut, hein, honnêtement. 7%, ça va. Mais je sais pas comment... Ça me dit pas comment on peut le déclencher. Alors, l'armée, hein, en raison de la présence d'ennemis sur vos terres, seuls... Qui sont des ennemis? Eux? Elle, je suis en paix, pacte défensif. Qui c'est? Pourquoi j'ai un siège chez moi? Siège de Tottenham. Guerre entre Bedford pour le titre de jure de Middlesex. Bon, on va pas ranger les troupes alors. Bon bah une deuxième fille décidément, Hermessan. Bah allez, on laisse ça. Hein. Dommage. Est-ce que j'en profite pas pour essayer d'attaquer lui et de le vassaliser comme j'avais dit? Bon, ce serait une autre guerre beaucoup plus compliquée, hein, par contre. Mais bon, écoutez, on avait dit qu'on le ferait, établir un état tributaire. On peut le faire. On va le faire. Allez, on va tenter. Alors attention, hein, parce que là, ça va être une grosse guerre. Donc déjà, on lève tout le monde à Caen. Ici. Alors attendez, tout le monde va aller là. Et vous? Toi, tu vas aller là. Toi, tu passes par là pour aller là. Toi, stop. Tu passes par là pour aller là. Voilà, c'est parti. Comte a usurpé le titre. Voilà, bah là, le truc est fini. Je les laisse faire leur vie. Hein. Je peux appeler ma femme. On va appeler notre femme. Elle a quand même 2300 troupes. Hein. Écoutez... Hop hop hop, ça débarque là. Ouais, 18 galères, ils peuvent pas... Attendez, on va attendre qu'ils se verrouillent. Parce que déjà, on va leur... Tac, ok. Parfait, eux, ils vont se faire éclater. J'ai même pas mis de commandant ni rien, mais ça devrait le faire facilement. Déjà, eux...
sécurité de la baronnie de Cherbourg. Je suis trop content. C'est chiant parce qu'à chaque fois il faut bien cliquer là, il faut aller là et il faut faire ça. Voilà. Je peux pas embarquer l'armée, bah oui, parce que j'ai pas assez de bateaux. Hop là, oui. Une belle armée, hein. Franchement. Bon, il y a toujours la maladie, donc niveau généraux, c'est pas le bonheur. Il y a que ça qui me gêne un peu, par contre. Est-ce que j'ai des non, hein. Commandant, j'en ai pas. Est-ce que je peux en nommer d'autres? Mais de toute façon, avec les portes fermées. Non, non, de toute façon ils sont tous pris. Mais... Et je veux pas trop ouvrir mes portes quand même, donc on va devoir se débrouiller sans généraux, hein, avec un seul général qui est pas terrible. La comtesse du Perche, bon, ça va s'annuler automatiquement. Hop là, faudrait qu'on arrive là-bas avant qu'il finisse le siège. Parce que je vais pas lui donner des points. Alors je connais pas, hein, c'est vraiment une tentative. Allez, c'est parti. Ouais, on va les écraser, hein, clairement, on est bien plus nombreux. Femme est encore enceinte. La femme mène des troupes, c'est la classe. Ouais, on les a bien, on leur a bien fait mal. On va surtout les poursuivre à la mort. Se dépêcher avant qu'ils rentrent dans des bateaux. Il aura un bonus défensif, c'est pas grave, je lui laisse. Mais là, faut surtout pas lui laisser des chances de fuir. Le moins possible en tout cas. Essayer de le poursuivre encore, je sais pas jusqu'où il va aller, mais une fois qu'il aura plus de troupes, de toute façon il pourra plus faire grand chose. Oups là, je pars trop loin là. Je pense qu'il est parti en bateau. Non, il est là. Hop là, la sauvegarde qui tombe toujours mal. Si on fait ça, on devrait l'intercepter. Bon, il va encore avoir le bonus, mais on s'en tape. Le but, c'est clairement de faire le taf. On continue par là, on va trouver quelques troupes, 8 troupes. Je vous laisse imaginer, face à 13 000 troupes, en quel morceau, qu'est-ce qui reste de ces troupes-là. Alors, il remonte des troupes encore, je vais attendre qu'il verrouille. Voilà, on y va. Hamburger, bon je m'en fous d'hamburger là. Allez tiens. Fais ça, c'est bien. Voilà, on est en train de rien que de gagner rien que par ça. Hein. Le score de guerre monte énormément. Tiens, mais on va demander à. Si elle veut bien faire le siège, s'il te plaît. J'ai pas besoin que tu viennes m'aider au niveau des troupes. On continue à les poursuivre, surtout. On va aller là. Franchement, on lui a laissé aucune chance à son armée. On capture des gens. Voilà, ils ont quasiment plus rien. La guerre va se finir très vite. Voilà, ça y est, stack wipe. Et on a un fils Roland. Est-ce qu'on continue les Rolands pour avoir un troisième Roland? Bah ouais, y a pas de raison. Au moment, cette lignée est plutôt pas mal. Ce prénom porte plutôt chance, on va dire. Seul le pape est apte à le baptiser, bien sûr. La nouvelle de la grande cérémonie que je prépare pour le baptême de Roland s'est répandue et plusieurs de mes fils se bousculent pour être choisis comme parrain ou marraine. Ouais, alors toi, tu vas pas vivre longtemps, par contre. Ah, oh, mais c'est dommage qu'on puisse pas les choisir, parce que là, ça te propose des gens, mais j'en ai peut-être un peu rien à foutre de leur gueule, quoi. Ouais. On mettra espion à la limite pour dire quoi. Ouais, allez, on va prendre lui. Le pape qui a su s'entourer par un grand groupe de cardinaux submergé l'enfant trois fois et resté de prière pour protéger son âme. Puis il a tenu en l'air Roland pour que toute la foule réunie à la grande cathédrale le voie, l'exposant aux acclamations de futurs sujets. Il obtient le trait baptême
officier par le pape, il aura un meilleur prestige, une meilleure piété et une meilleure opinion des chrétiens. C'est parfait. Bon, on continue de supprimer les quelques troupes restantes des Gallois. Est-ce que c'est marrant ? Tybalt, bah c'était notre neveu, lui, qui était l'héritier. Et qu'il est toujours au cas où, d'ailleurs. Il pourra toujours l'être. On va faire quelqu'un dans le conflit. Okazu. Bon, on va aller faire quelques sièges. Hein. Ouais, la vidéo est un peu longue. Hein. Je voudrais vraiment finir cette petite guerre-là pour voir ce que ça fait. Pas vous laisser sur cette petite fin. Est-ce qu'on peut rouvrir les portes, tiens, d'ailleurs ? On peut complètement rouvrir les portes. C'est marrant, d'ailleurs, les portes étaient fermées, mais on a pu faire le baptême. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. On va faire un petit assaut, on va perdre des troupes, hein, mais bon. Une sainte a trépassé, la bienheureuse Kundo Côte de Fer. Tiens, c'était une de notre, c'était notre duchesse, ça. Ouais, on a perdu bêtement des troupes, mais bon, on a accéléré un peu le phénomène. On va recommencer, d'ailleurs. Hop là. Allez, vitesse 5. Un religieux est venu à la cour aujourd'hui pour parler des choses de la foi, mais il devient rapidement clair qu'il a des opinions peu orthodoxes. En tant que défenseur zélé de l'église, hein, je crois bien avoir agi en donnant l'ordre d'emprisonner ce païen blasphémateur qui osait critiquer ma foi et mon église. Oh, bah c'est notre parente. C'était qui ? Ah bah oui, c'était notre grande tante, quoi. Je tremblais encore de rage après les propos blasphémateurs du païen quand la personne a profité pour venir me murmurer des félicitations. Ah non, elle m'a félicité en fait. Ah oui, d'accord. Ma demi-sœur m'adore et j'apprécie tant que nous passons ensemble. Il est important de dédier ses retours sur futures relations. Ouais, c'est bien. Allez, on accélère le temps pour que le siège se fasse. Là, le siège est en cours aussi. Il est un peu long parce que bah, ils sont pas si nombreux que ça. Mais ça va le faire. Eh bah, notre femme encore enceinte, décidément. Après cet enfant-là, si c'est encore un garçon, on va peut-être changer d'intérêt, hein. Bon, bah, il est peut-être pas si pourri finalement. Bon, il a pas des stats énormes, mais heureusement, c'est rattrapé en diplomatie. On est le béni, très bien. Très très bien. Bah, le béni alors. On peut pas lui demander de venir chez nous. Non, non, elle peut pas. Allez, 91%. On continue. 100%. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Il a plus de suzerain. Et il devient mon état tributaire. Alors, attendez, hop, 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 on réduit la vitesse de jeu, on repart là, on rentre les troupes, on ramène ça là-bas parce qu'il faudra les ramener comme toujours. Alors, comment ça marche ? Ok, je suis ton suzerain maintenant. Je l'ai défait, j'ai fait un état tributaire. Ok, c'est marrant, c'est un personnage qui se couche. Il doit fournir 20% de ses revenus, il me fournit 15% de ses renforts. Alors, les relations peuvent cesser lorsqu'une des parties intègre un autre pays. Le tributaire peut appeler son suzerain à la guerre. Ouais. Le suzerain ne peut pas refuser un appel à la guerre défensif. Le tributaire peut combattre d'autres tributaires. Un tributaire peut appeler d'autres tributaires à la guerre contre leur suzerain. Ok. Alors, ça commence mal parce que t'es orthodoxe, toi. T'es géorgien en même temps. Est-ce que je peux envoyer... du prosélytisme. Bah t'es un sujet, hein, donc officiellement je... Ah non, je peux pas. On peut pas. D'accord. Je pensais qu'on aurait pu, mais peut-être que non, il est quand même dans son coin. Très bien. Bon, bah écoutez, on verra bien. Ça veut dire qu'on devrait gagner encore un peu plus d'argent, normalement. Je regarde sur mon royaume, vite fait, les revenus. Tribu. Ah oui. Ah, quand même, hein. Ah ouais, ouais, quand je vais ranger mes troupes, je pense que ça va commencer à faire un tribut assez classe, hein. Je vais passer là le mois pour voir que ça, je pense que ça s'est pas actualisé. Mon courtisan a décidé de rejoindre les pieux chevaliers de l'ordre. Bah vas-y, fonce. 30, ouais, ouais, on va gagner pas mal de fric, hein, je pense, là. Quand le bateau sera rangé.
Je vais imprimer la duchesse de Norfolk. Non, ça va s'annuler. En plus, c'est bien, ça a pas fait. Voilà. À l'occasion, je les absorberai, hein, je pense. Hein. Mais pour le moment, voilà, c'est assez rigolo d'en faire un tributaire. On va voir ce que ça, comment ça fonctionne, mais je trouve ça plutôt fun. Sigurd, invasion norvégienne, très bien. Voilà, c'était la première fois que je le fais, donc bah, si vous le saviez pas, maintenant on va voir comment ça tourne lors du prochain épisode. Que je vais arrêter immédiatement. Voilà, parce qu'il a assez duré, et j'avais dit moins de 50 minutes, mais vous voyez, je ne sais pas tenir ce que je dis. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de regarder quand même, attendez, regarde où est-ce que ça en est, le pack défensif. Il est quand même gros encore, le pack défensif contre la France. Donc je vais me renseigner, voir comment ça marche. Je pense que je ne peux rien y faire, clairement, c'est pas à moi de décider. Mais on va quand même regarder ça. Parce que voilà, j'aimerais vraiment m'attaquer à la France, hein. Ah oui, l'Irlande a du coup a récupéré pas mal de choses un peu partout. Oula, ça a bien changé, hein. Donc l'Irlande doit être un peu plus sérieuse maintenant quand même, hein. Ah. Bah, vu que je vais récupérer ça de façon propre et qu'après l'Irlande ne me gêne plus, puisque ça je m'en occupe pas, ce serait presque intéressant d'avoir des bons rapports avec eux. En même temps, c'est le roi d'Aragon qui a récupéré tout ça. Et il en a fait son titre principal. Ok, il faudra que je regarde ça tranquillement s'il n'y a pas possibilité de faire des trucs sympas. En même temps, faut dire que là, il va pas avoir d'enfant lui, hein. C'est plutôt elle qui va récupérer derrière. Ok, faudra qu'on regarde tout ça. Ah bah célibat. Oh merde, elle a fait. Oh là 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 là. Je sais pas comment ça va tourner encore cette histoire. Bon, allez, merci à tous. Très très bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Merci encore pour tous vos commentaires, vos messages, vos likes et tout ce qui va bien. Ça me fait chaud au cœur. Et vous voyez, bah, on peut encore continuer à faire des choses. Et ça reste sympathique. Enfin, j'espère que ça vous plaît toujours. Allez, à très vite. Merci à tous.